On se rend compte dans Astérix qu'il y a tous les grands thèmes de notre civilisation. Oui, bien sûr, bah, autant s'en servir, puisque nous y sommes, alors nous parlons d'un peu tout ce qui nous entoure, en le mettant à la sauce de nos Gaulois. Et ce qu'il y a de curieux, d'ailleurs, c'est que nous rejoignons la vérité historique parce que les Gaulois, mon Dieu, n'ont pas tellement changé et que bien des choses qui se passent maintenant se sont passées plus ou moins à l'époque qui nous occupe. Par exemple, nous avons fait des choses sur les problèmes immobiliers. Alors, les problèmes immobiliers existaient à l'époque. Nous avons fait des choses sur les embouteillages, que nous avons appelés des amphorisages. Ça existait. Les embarras de Lutèce existaient. À Rome, c'était bien connu, puisqu'ils en étaient arrivés à interdire le passage des chariots dans la journée. Vous pouvez rouler que la nuit. Et il y a comme ça tout un tas de choses. En politique, la politique des Gaulois et la politique des Français sont deux choses très très similaires. C'est un foisonnement où tout le monde voulait être chef, tout le monde avait un programme électoral extrêmement séduisant. Ça se passait parfois un peu plus brutalement que maintenant, disons plus ouvertement que maintenant, mais tout ça se retrouve. Deux films, Astérix le Gaulois et Astérix et Cléopâtre, ont déjà été tournés avec la complicité du compositeur Gérard Calvi. Je croyais que tu allais dire celui-là. Mais ils avaient été produits et réalisés en Belgique. Pareil, il y avait la musique de Gérard. Mais ouais, non, je ne parlais pas de la musique, je parlais du film. Non, non, mais enfin, on a fait ce qu'on pouvait. Non, non, mais celui-là, on le fait chez nous. Et puis, on le fait en France. Cocorico. Oui. Oui. Parce que... Enfin, on a pris quelquefois le train pour aller à Bruxelles. Oui, c'est un de mes souvenirs d'ailleurs. Les premiers films d'Astérix sont liés à l'odeur de chocolat que je sentais en arrivant C'était formidable. Ça te le chocolat. Souviens-toi, c'était extraordinaire. Il y avait cette usine de chocolat à côté du studio. Et alors un jour, on sortait avec un des animateurs qui hume l'air, qui dit « ça sent le chocolat, il va pleuvoir ». C'était parce que quand le vent soufflait de l'usine vers le studio, c'était signe de pluie. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, je rêvais de travailler chez Walt Disney. Malheureusement, le rêve n'était pas partagé par Walt Disney. Nous en sommes restés là. Mais pour moi, c'était vraiment le but. C'était parce que, en plus, ça a quelque chose de féerique. Pour nous, de voir bouger nos petits bonshommes, c'est une chose dont on n'est jamais blasé. On n'est jamais blasé de les voir vivre tout d'un coup, parce que là, ils vivent vraiment. Et ma potion magique. Et quelle est votre potion magique à tous les deux? Oh, la potion magique, vous savez, c'est d'aimer ce métier et d'avoir envie de faire rire les gens. C'est ça, la potion magique. Et on dit ça très gravement, vous savez. Oui, parce que on semble rire comme ça. Mais ça on fait très sérieusement quelque chose qui ne semble pas sérieux. Voilà. C'est bien ça. Hein, c'est assez joli aussi. Joli. Nous sommes des besogneux de la futilité.